Bonjour à tous et bienvenue pour votre émission culinaire Un chef, une recette. C'est avec plaisir que l'équipe de Télé Plus se trouve en plein cœur de la capitale, dans un lieu tout simplement sublime que vous allez découvrir dans un instant. Qui peut accueillir jusqu'à 80 personnes en place assise, je vous parle du Cotillard. Le second de cuisine, Samir, va nous proposer aujourd'hui une recette facile à réaliser. C'est un tartare de thon accompagné d'une salade verte. Sans plus tarder, direction la cuisine du Cotillard. Les ingrédients pour le tartare de thon, 500 g de thon rouge albacore. Pour les assaisonnements, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, du tabasco. Il nous faut également du cap et cornichon haché, oignons ciselés et du persil frais pour apporter de la fraîcheur. Pour l'accompagnement avec une salade verte, pour la vinaigrette, il nous faut de l'huile d'olive, du jus de citron frais, du jus d'orange fraîchement pressé, accompagné de moutarde. Pour la préparation de votre tartare de thon, coupez en dés les 500 g de thon. Rajoutez l'oignon émincé, cap et cornichon haché, le sel, le poivre, la moutarde, un peu d'huile d'olive, du tabasco et pour la fraîcheur, du persil haché. Pendant la préparation de la vinaigrette, on va laisser reposer au réfrigérateur le tartare de thon. Passons maintenant à la vinaigrette. Prenez votre mixeur. Rajoutez le jus d'orange frais, le jus de citron frais, un peu d'huile d'olive, de la moutarde, du poivre, du sel et mixez le tout afin d'avoir une vinaigrette crémeuse. Puis, passez au dressage. C'est déjà la fin de votre émission Un chef, une recette. Merci Samir pour tous ces petits conseils que vous nous avez donnés. Merci à vous, le chef Vassou. Alors c'est ici qu'on va vous embrasser très fort en vous souhaitant bien sûr de passer un agréable moment avec toute l'équipe de Télé Plus. N'oubliez pas, likez et faites partager cette vidéo. Toute l'équipe de Télé Plus vous donne rendez-vous pour la prochaine édition d'Un chef, une recette. D'ici là, bonne cuisine. Bye bye.